Ça y est, il y a des casseux. C'est ceux qui voient, ils trouvent pas la piscine. C'est le bordel ici. Moi, je vous jure que j'ai vu des flics toute la journée. Je sais pas si c'était en prévision, ce bordel. Parce que oh, moi, j'ai pas envie d'avoir des yeux crevés, alors on va rester à l'hôtel. Manifestation pourquoi? C'est pas un drapeau palestinien. Un drapeau bleu, c'est les deux. C'est rien. Ah, moi je vais rester là, hein, ou pas. Ah, ça doit être des drapeaux palestiniens après ce que je vois. Ok. Ah ouais, bah écoute, hein. Paris qu'on soutenu, enfin la France, maintenant ils reviennent un peu en arrière, mais un peu tard, hein, parce que c'est des crimes contre l'humanité qui est. Bon, ce qu'il dit. Bon, bah, ils vont pas à la piscine. Il faut pas la piscine, il faut pas, il cherche pas la piscine. J'ai pas trouvé la piscine à la place de la station. On est bien ici pour admirer la manifestation. Je voulais aller acheter à bouffer, ça fait un peu chier. Tous les week-ends des manifestations ici, c'est pas un peu le sport national. Ah, ils parlent, ils disent va-t'en des territoires, je crois. Ah, bah, il y en a là aussi, en fait. Ils sont partout. Il y en a aussi là. Peut-être voilà ces pays qu'il faut aller. Tout le monde là. J'ai vu que c'était le bordel. Mais il faut aller à tous les pays. Pouf. Tu peux la recouvrir de population. Hein. Tellement c'est petit comparé. Tu prends tous les manifestants de la planète, tu vas aller à ces pays. Je suis désolé, hein, mais ils ont qu'à faire leur travail hein, aussi là. Je sais pas, je crois que c'était pas autorisé ces manifestations en plus, d'être autorisé. Je crois qu'en France ils avaient interdit maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez qui crie un rugby. Bon, sur le fond, ça veut rien dire. Donc, c'est pas allié à des conneries théoriques. Sais pas si c'est pour ça qu'il y avait les flics aujourd'hui qui bloquaient. Ici, ils avaient mis des petits trucs, ils ont viré un peu les véhicules. Puis, je sais pas si c'est les flics qui sont en retrait là. C'est un peu chelou ce fourgon. CMD, c'est quoi, si c'est pas. Oui, il me semble que c'était des Ukrainiens. Je sais plus si c'est toujours. Je
Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, peut-être que c'est Paris. Mais il y en a plein là-bas aussi, je sais pas. Ils ont mis une ficelle pour stopper, on ne sait pas pourquoi. Même au fait, ils ont débloqué la circulation. C'est vrai qu'ils sont chelous, c'est... Allez, marche, du pain. Ah, ça a bonne réputation, hein, ça arrive. Hein. Bon, après, potentiellement, il y a de quoi. Moi, je suis d'accord. Je te dis la vérité, hein. C'est n'importe quoi de bon. En fait, c'est tous ces bombardements qu'on devrait interdire, là, parce que je sais plus. Ça finit, de toute façon. En civil touché, ou... mais là c'est n'importe quoi, là c'est on s'en fout, hein. Quand tu vois comme ils ont bombardé encore les ambulances. Pourquoi je le fais ça mon truc? Ouh, t'es devenu tout blanc. Hé, hey, France D. Bon, on voit rien, bon, on voit plus rien. C'est fume ce machin. Plus c'est censé être un putain de mon appareil photo. Il est revenu normal, alors on recommence comme ça, je sais pas pourquoi il a fumé. Moi, je les comprends, hein, qu'il fallait signer, qu'ils ne soient pas contents. Si tu veux dire quoi. Et là, c'est n'importe quoi. Il y a tous les pays qui se réveillent, même ceux qui ont soutenu Israël, avec, par rapport aux frappes qu'ils font. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est quitte à buter un type du Hamas, si t'en butes 50 à côté, ils s'en foutent. Hein. C'est à peu près ça, hein, comme quand vous avez frappé vos ambulances. Là. Et puis tout ce qu'ils font, hein, quand ils bombardent un immeuble. Je ne sais pas combien il y a de morts, ça se trouve, les types du Hamas, ils sont même plus dedans. Ben voilà quoi, c'est inexcusable pour moi. Mais quand t'as tous les pays qui se comportent comme ça, les États-Unis, la France, n'importe qui, hein, tous ceux qui participent à des bombardements, ça finit comme ça, hein, mais c'est aucune excuse, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ça qu'il faudrait presque interdire partout. Hein. Pas qu'à Gaza, hein, partout. Mais là, moi, c'est vrai que c'est flagrant. Moi, je vais quand même aller au commis avant qu'ils débarquent tous, quoi. Je te... Bon. C'est chelou, là, les qui squattent là en bas. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est des Ukrainiens. Ils foutent là, gars. Ils peuvent être là sans qu'on les emmerde, en fait. C'est un peu bizarre. Mais c'est les voitures de flics là-bas qui ont bloqué la route. Pourquoi ils bloquent la route pour pas que les gens ils passent comment avec leur voiture s'ils voudraient passer? Ils l'ont dans le cul. Et j'ai l'impression que ça va devenir plus le bordel. Moi. Bon, ben, j'espère que ça se déroulera dans le calme et sans la violence, sans insultes sur les juifs, je sais pas quoi. En expliquant que moi je dis tout bien sur le fond quand on voit ce qui se passe et ces bombardements et tout ça. Mais que ça se passe dans la paix. Et là-bas, il y a l'air d'être blindé, hein, je vous promets, là il y a un petit peu, mais là-bas, frère. Bon.
Un go. Oh non, mais oh, ben voilà, alors ça y est, you, ben alors j'espère que je vais pas perdre mon téléphone, mais regardez. Quand je dis c'est une rue à flics, frère. Frère. J'aurais vu que des flics aujourd'hui. Moi, je voulais aller faire mes commis juste là. Je vais faire comment mes commis, moi? T'en combien là? T'en combien? Y en a combien? Regardez, j'ai super les vacances. Moi, je voulais éviter la police. Je crois qu'ils voulaient. Mais j'ai peur que mon téléphone tombe. Je suis assez maladroit, je suis désolé. Super. Mais il y en a encore plein, il y en a combien? Mais frère, regarde combien il y a de Bonsoir. Ben mais moi je vais finir après avec Flashball. Je voulais aller acheter à Mandé, moi. Je devais être là quand j'allais acheter à Mandé, moi. C'est pas une bonne idée, au fait. Des flics, mais regarde, regarde, j'ai jamais vu ça. Regarde la montre, c'était des flics. Non, mais regarde, il y avait un flic. Ils sortent de où ces types? Ils étaient où? Ils étaient cachés où? Quand je vous dis que j'ai vu des flics toute la journée, regarde ça. Il y a des fourmis. Il y a des fourmis. C'est truc de où? Ils sont timbrés. Après, ils vont comme tirer dessus au flashball. Où il y a des flashballs? Non mais oh, moi je suis gentil. Bonjour, il me regarde là, il veut quoi? Bah ouais, mais t'es bizarre, écoute, il y a un touriste, il vient, il veut aller au magasin, puis il voit ça. Tu tombes mal ou bien? Je suis désolé, frère. Pas tout, bah bonne chance. Que dis-tu, tout ce que dis, Flashball. Bon, bah moi tu vas rester à la maison. Tu es déjà blessé. Ah, l'image de la capitale. Hein. Mais c'est abusé ça, de voir qui de où là. Ils sont sortis d'un tunnel, mais aussi des. Ben voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de violence. Hein? Mais t'es vrai qu'il est plus resté là-bas la manifestation. Non, je comprends les Palestiniens, hein, c'est comme je dis, hein, je ne veux pas me répéter. Or, il n'y aura peut-être pas, en fait, on va peut-être publier cette vidéo-là. J'ai expliqué, je l'ai vu débarquer là, tranquillement. Tout d'un coup, t'es abusé. T'as vu le nombre de flics qui vont. Ah ouais, j'ai pas vu, en fait, là aussi. Vous voyez, moi, j'ai le vertige, mais regarde ici. Je sais pas si tu vois ici ce qu'il y a. Et puis moi, ouais, mais t'es petit, quoi. Oh, j'ai bloqué à Paris. Regarde-moi ce mec. Comme je vous ai dit, j'ai publié un message ce matin. J'aurais dit ici, ils auraient dû appeler pas la place de la nation, mais la place de la nationale police. Je suis sérieux. Bon, ben moi, je soutiens du cœur sur le fond par rapport à ce qui se passe. Et on a encore vu dernièrement avec ces ambulances. Il faudrait mettre fin à ces bombardements, c'est n'importe quoi. On s'en fout complètement hein, de la population palestinienne hein, quand on bombarde comme ça. Et on le voit vraiment, hein, je suis désolé. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de violence, que tout va te passer dans le calme. Moi, ça va, tu es assez tranquille ici, quoi. Eh, tu te mens, hein, quand même, hein, là-bas au fond. Je sais pas, hein, je vois pas, j'étais dans la rue tout. Mais c'est abusé, le fait qu'on le marque, tu sais pas d'où ils sont sortis, frère. C'est sorti de. Je sais pas. Bon, ben moi je vais aller acheter à manger. On va remonter ici. Il y a le spectacle. Il y a un petit spectacle parisien. Je suis désolé de dire ça. Je pourrais aller voir depuis la terrasse du haut de l'hôtel, au fait. Jusqu'où ça va. Mais t'as un homme de flics qui est passé, frère. J'ai vu tout ce matin avec des flics. Mais putain, j'ai pu choisir le bon endroit. Mais vraiment. Ouais, bon, on va aller acheter mes petits pavés d'un. Avant que ça parte trop en couille. Mais tu vas venir là, tu vas partir en couille. Oh. Bon, mais c'est la merde. Bon, mais voilà. Bon, bah, comme vous voyez, la manifestation, elle s'est déplacée ici. Je vous ferai un petit collage après. Mais. Ils sont chelous, ces types-là, dans cette. Mettez pas. Regarde ça, ils sont tous là-bas. Ça va. Ah, ils essaient de se pas ça et là-bas, tu vois. Mais avant, il y avait toutes des voitures. Bon, ben, la soirée, ils vont être animés, quoi. Je préférerais qu'il n'y ait pas.
de guerre et de manifestation, et c'est comme j'explique, et je vais pas... voilà quoi. C'est... pas être content qu'il y ait de l'animation, c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est que à la base il devrait pas y avoir de guerre, comme ça il n'y aurait pas ce bordel. Mais c'est vrai que quand tu es dans un hôtel, dire que t'étais tout calme, là c'est un vrai merdier, je te promets qu'ils sont en train de monter sur le bâtiment là. Un petit peu comme dans le dernier Avenger, tu sais. Il y a plein de corps. Ouais mais bon, je pense que ça va partir en couille, moi ça me fait un peu peur quoi. Moi pas pour moi, hein. Je m'en fous, moi je suis à l'hôtel, je suis bien protégé. Enfin, bien protégé. Mais je ne fais pas tout petit pour moi, quoi. C'est dommage. J'espère que je vais pas sortir, me retrouver dans la merde au milieu d'un truc qu'on a acheté à bouffer là. Je suis allé acheter à manger. Je sais pas, je vais ressortir. J'ai la sang. J'ai un carrefour là, les magasins, supermarchés collés à l'hôtel. Ouvert 24 heures sur 24. Par contre, c'est des prix de compétition, quasiment le prix qu'en Suisse, quoi. C'est tout de ouf. C'est pas la France, ici, c'est vous explique. C'est vraiment un peu bizarre, quoi. Mais ouais, bah, ils se sont déplacés tout là, quoi. Ils étaient là, maintenant, c'est... Ah ouais. Bah, tu comprends, les flics, hein, mais c'est des fourmis qui débarquent, comme c'était violent, quoi. Bon, ouais, les manifestants, ils sont gentils, hein. Là, tu sais, les flics, ils font genre, ils bloquent. Ils auraient voulu passer, et avant, il n'y avait pas de flics, hein, quand ils ont commencé à arriver et tout, hein. Les fourmis sont arrivés après. Bon, moi, ils m'aiment pas, hein. Du coup, moi, ils me voyaient regarder filmer. Et voilà. Bon, ben, on fera un peu plus la nuit. Ben, je pense que ça va être le bordel toute la nuit, quoi. Moi, je suis blessé, hein. J'ai déjà de la peine à marcher, à me... Donc, je vais pas aller me mettre là-dedans. Et même si je soutiens les Palestiniens dans cette histoire-là, par rapport à ce qui se passe et les bombardements... Je ne vois pas l'intérêt d'aller manifester. Surtout quand on voit comment t'as fini. Avec des innocents qui finissaient écorchés. Donc voilà. Moi j'espère qu'il n'y aura juste pas des emmerdes entre les Juifs et les Palestiniens, ou ce genre de trucs. Ou qu'il n'y ait pas des qui soient gentils, qui se fassent au final déglinguer par la police, ou ce genre de choses. Mais ça avait l'air plutôt pacifiste sur le fond du camin. Et s'ils auraient voulu foutre le bordel, ils auraient pu foutre le bordel partout. Hein. C'est pas... enfin voilà. Bref. Il me semblait qu'ils avaient interdit ces manifestations en France. Je sais pas s'ils sont revenus en arrière. Enfin voilà. Bah ben, t'étais pas prévu, t'es pour moi. Bon, on m'avait retourné manger mes petites crevettes et corailles. Et voilà. J'irai depuis le haut de l'hôtel. Ben, à la base, c'est pas une attraction touristique. Hein. Mais depuis le haut de l'hôtel, j'ai la super vue, en fait, sur Schmerdier, quoi. Donc voilà. C'est violent. On va aller voir, en fait. Bon, voilà, c'est pas trop, je vais pas paumer mon portable. Et puis en haut, t'as le portable. Il y a quand même du monde. On va pas m'expliquer, je suis blessé, je vais pas aller me promener là-dedans. Parce que là-bas, il y a tous les fourmis. Ah, t'as la poupée. Oh, ben j'espère que ça partira pas en couille pour tout le monde, au final. Bon, moi je soutiens comme ça, mais je vais pas rester là toute la soirée non plus. Ouais. Je vais regarder la télé tranquille, malgré le bordel qui est en bas. Ouais, bon, bah, c'est pas la journée pour être tranquille, quoi. Bon, bah, ça s'est déplacé aussi en bas de mon hôtel, d'après les gamins qui chantent, là, vive la Palestine. Le problème, c'est que moi, je dois aller acheter des clopes par là, je sais plus où c'est, le vieux. Peut-être qu'on va pas me prendre pour un manifestant, hein. Déglinguer ma gueule, moi. Ah, au fait, c'est depuis l'hôtel que ça gueule, vive la Palestine. C'est des types de l'hôtel, des gamins de l'hôtel, là. Il a dit, t'arrête. Ah, j'espère que ça va pas partir en couille pour tout le monde. Et puis voilà. Je sais pas, il y a une charrette bizarre. Ça a l'air tout calme, la charrette là qui avance. Ils font pas de bruit. Je sais pas c'est quoi cette charrette. Mais les flics, je pense qu'ils vont les bloquer.
Ah bah s'ils essaient d'avancer, je pense que ça va partir en couille. Parce qu'ils vont pas pouvoir. Bon bah ils vont tous venir là. Ah bah merde, je devais aller acheter des clopes là. Non, j'ai plus de clopes, hein. Je vais devoir aller à thé moi. C'est quoi cette espèce de camionnette là? Ouh, ça va partir en couille parce qu'ils vont contre les flics. Ben moi je devais acheter des clopes, ben on va dire pas comment on va aller acheter les clopes, sans risquer de te retrouver dans la merde. Ouais, moi c'est plus de la police que j'ai peur que d'autres choses. C'est pas. C'est eux qui font un peu que des bavures. Ouais, t'es pas. T'es pas un palestinien qui va venir m'emmerder. Tu vois, t'es. T'as, moi j'ai pas de problème. Ben ouais, mais ça va partir en couille là. Je sais pas s'ils vont s'arrêter là, hein. Je pense que ça va pas partir en couille tout de suite, ils vont tous arriver. Ben moi je vais quand même aller chercher mes clopes quoi. Ben t'as vu, ils se sont arrêtés gentiment par eux-mêmes. Hein, là, il n'y a même pas de flics qui bloquent. Il y a toute la manifestation qui va s'arrêter là. Mais après tout d'un coup ils décideront d'avancer, tu vois. Mais ils ont l'air très civilisés, moi je trouve. Il y a quelques mongols qui crient, ou quand avec la police, mais il y a vraiment mais, un millième, quoi. J'ai entendu, t'as le flic, un truc comme ça, une fois sur tous les trucs, quoi. C'est tout. Ils ont l'air très civilisés, moi, je trouve, hein, au vu de la situation. Ils sont arrêtés là, en fait, avec des petites voitures, là. Il y a un chapiteau, là, sur une voiture. Je sais pas qu'est-ce que c'est, cette merde. Mais toi, ils avancent, les sécus, ils vont devoir reculer, hein, les gens là-bas, les petits CRS. Parce qu'une voiture des CRS, c'est de la voiture qui gagne, hein, t'étais pas petit con, hein, pour pas. Ah ben, ils décident d'avancer, ah ben, c'est le début du merdier. Eh ben, voilà. Ah ben, alors là, on va avoir des problèmes. Ou ben, ils décident d'avancer avec la petite voiture, et il y a un barrage. Alors, t'étais pas qui va te passer. T'étais pas, putain de porte d'hôtel, pourquoi t'as touché pas? T'es vraiment pourri, hein, ce matin, car. Ah ouais, t'es français, t'as. Regarde-moi, t'es d'ingénieur. Qu'est-ce qui bloque? T'étais pas qu'est-ce qui bloque? Ah ben, t'as ta bloque, on peut pas ouvrir. Oh, t'es pas gentil, toi. Ah oh, ben, on peut pas ouvrir, putain. Mais j'ai peur que là, t'as pas en cou. Ah ben, voilà, ben, ils vont à l'affrontement. C'est ce que je redoutais. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas. C'est ce qu'il fallait pas faire, je pense. Mais ça va, il n'y a pas tout le monde qui a suivi. Ah, mais ils peuvent passer. Ah non, mais ils les laissent sortir, en fait. Je pense que le type, il se barre, c'est tout. Je. Mais il y a tout le mouvement qui a suivi, puis après, là, ils se séparent en deux, comme ça, tout à fait. Poup, il y a une petite partie qui va. Ils n'ont pas essayé de foutre le bordel, mais s'ils foutent le bordel avec la voiture, puis une foule de 2-3 000 personnes derrière, tu veux qu'ils fassent quoi, les flics? Ah, il y a des véhicules qui arrivent, peut-être pour pouvoir bloquer 3 véhicules d'un coup. Un autre là, je pense que c'est pour ça qu'il y a les véhicules, il y a 4 voitures qu'on est barquées. Ouais, puis ils bloquent la route là. C'est peut-être pas pour rien, tu vois. Mais t'as pas, là j'ai eu peur que t'as parti en couille, que t'as commencé, mais c'est bon. Mais ouais, t'as l'air quand même bien pacifiste, hein, moi. Je vais aller acheter mes clopes. Hein. Bon, je suis allé acheter mes clopes. Ouais, ils sont en train de faire un discours, mais ce que vous savez pas. Alors ça, c'est bien des Ukrainiens qui squattent, je comprends pas. C'est deux jours qu'ils sont là, c'est écrit livraison, tu vois. On voit qu'on tolère tout, fait pour les Ukrainiens. Ils ont mis une amende à un scooter, là, qui était là. Un scooter Deliveroo. J'ai rien à la base quand c'est Ukrainien, mais je verrais pas pourquoi ils ont plus de droits que les autres. Je suis désolé. C'est pas... Ben voilà quoi. Ils se parquent là avec les voitures palestiniennes. Ça va pas aller, hein, tu verras. Et ce que vous savez pas, en fait, là, c'est que dans la rue, là, je suis allé acheter mes clopes. Et je vous jure, toute la rue, là, est fermée, remplie de voitures de police, de fourgons de police, un peu des fourgons comme ça. Et j'essayais de les compter, j'ai voulu filmer, j'avais plus de batterie, je voulais pas avec mes 2%. Mais j'ai compté plus de 20 véhicules. Il doit y avoir 20 à 30 véhicules. La route est barrée de petits fourgons comme il y a là-bas, ici au coin. Toute la route, sur 100 mètres, il n'y a que ça. Après, avec encore des ambulances derrière, il y a. Alors je te prête que la voiture blanche, si elle voulait passer pour foutre la merde, elle n'aurait jamais pu, hein, de toute façon. Ils se seraient vite tous fait déglinguer. Hein. Je te promets, là-bas, derrière, tu ne vois pas.
on voit pas, j'ai pas dit dans mon attel, vous verrez pas dans la rue, je vais pas aller m'amuser à filmer dans la rue, on va mettre fin au petit truc. Mais t'es, enfin voilà. C'était pas prévu, hein, moi t'avais pas que ça allait finir comme ça. Puis moi, vous l'allez fumer mon petit CBD, on prendrait, c'est un petit peu la merde. T'es quand même un petit peu la merde. Bon, ben voilà. Bah après, moi, que vous dire, je comprends sur le fond. J'espère que ça partira pas plus en couille. Et le mieux, bah, ça serait de mettre fin à ces bombardements, quoi. Moi, t'es pas... Hein, je crois pas qu'ils sont là que pour les bombardements, mais t'es la base. Quoi. Et je confirme aussi, c'est bien des gamins en dessus qui gueulaient juste en dessous de ma chambre. Ça doit être les mêmes qui s'est chié avec l'ascenseur aujourd'hui. Je dis de péter un câble. Il y a 25 gamins qui se squattaient. Enfin, voilà. Bon, ben, moi, si je suis dans la... Je vais aller fumer mon petit CBD. C'est possible, je suis un ministre mal. Mais je vous publier ça avant. Ben voilà quoi, Paris. Pouh, je vais retrouver ma pupuche dans moins de 48 heures. Et ben ça fera du bien. On est mieux qu'ici. Y a pas grand chose à foutre, à moins de regarder. J'allais voir les petits magasins d'électro. Ils ont tout ici, y a tout ce que tu veux autour de toi. Tu peux pas. Enfin voilà. À la haie, rien que chercher des distributeurs automatiques, ils sont pas partout. Là, tu ne peux pas. Tu sors, tu tournes la tête, un distributeur, un autre. J'ai jamais vu ça. Là, tout dans la démesure. Mais... Comme les policiers, là, je devrais. Fais chier qu'on n'est pas auteur dans l'autre sens. Mais je vous. Bon, ben, y a plus de batterie. Je vais lui faire un petit collage. Ben, lui, si tu le dis, retiens, c'est que ça reste très pacifiste. On est loin des manifestations casseurs qui vont tout péter. Qui foutent le feu au truc, qui cassent tout, ou qui cherchent l'affrontement avec la police. Alors ça va peut-être se terminer autrement ce soir, mais moi je retiens ça. Donc on a toujours cette image-là. Là, il n'y avait rien, j'ai rien vu du style. Okay. J'ai entendu une personne qui gueulait sur la police, c'est tout. J'ai pas envie entendu d'insultes aux juifs, ou quoi que ce soit. C'était de quoi que ce truc, tu peux dire vraiment négatif. Et pour bon, ben t'as recoupé, c'est mon téléphone, et là, je peux t'arrêter. Bonne soirée, je peux m'aider. Ça, c'est pas bon.